Vraiment, en tout cas, soyez bénis. Nzama pamola bino makasi, sika bozali, nous Ya sommes Isaya tous. Faxima. Maman Claudine, bonsoir. Tanda. Soyez bénis, vraiment. Et papa, Allô? Oui, tout ça dit, papa. Oui, Ok, oui. c'est bon maintenant, c'est bon. Ok, maman Claudine, vous avez la parole. Oui, je disais, Nazala Kopé, sa mbote, na bato tout. Donc, Balandi, ou Bazolandabiso, vraiment, soyez bénis, si Kabozali, Papa Angelo, Mbotenayo, Papa Jonathan, Mbotenayo, Papa Jacques, Moté. Mbotenayo. Donc, soyez abondamment bénis et vraiment, j'espère que, voilà quoi, que vous serez vraiment édifiés, que Lissolo Nabiso, Epesa Penza, moi, éclaircissement, et que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Vraiment. Maman Claudine, Oza, vous êtes une preuve vivante, Yamakambo Oyo, Outi, vraiment, tout le bagage n'a pas. Parce que virus wana batuming bazo bi manangote alors yo oza guéri nango to pe si gloire et belé ben Nzambe oza parmi batu oyo to yebi direct parce qu'on a entendu tout le monde à la TV batu babiki batu basali be meyo to bi kanango comment d'abord virus wana ndenge oyo kango oyo moko o se rendre compte que oza ki positif non c'était comment. En tout cas, merci, papa Angelo, mais, Nalinga qui n'a rectifié un peu moins manqué parce que, bon, Nalinga, au présenter, ou bien au présenter, n'a boyé, il faut être, comme on dit, il faut être vrai. Au moins, moi, et l'okonza m'a sali, c'est que Dieu m'a fait grâce. Oui. Donc, ce qui n'a biki, c'est parce que d'abord, Dieu m'a fait grâce que tant qu'on a eu virus, on a eu en on a forme, il y a ma casse, ma cassité. Donc, neti bat moussous sou baza na hôpital, ba moussous sou koutou baza pe mène aliwa, ba moussous sou bazo vivre la situation moko impossible. Moi, Oui. franchement, ce dont je peux témoigner et ce dont je témoigne, ce que j'ai fait sur ma page, dans d'autres émissions, c'est pour vraiment rendre grâce à Dieu parce que Dieu, atteint la zui virus, a épargné nga, c'est-à-dire que, ba symptôme, on a zwa ki, ba nyo soutou ana, izala ki na dose nango, ya mouke. Donc, et c'est nga Oui. kite ke, na koma ti na point ke na ken d'hôpital, Dieu m'a vraiment fait cette grâce de pouvoir, en fait, poser la main sur moi. Probablement que à Salina grâce qu'on a bana parce que comme tu le sais ngai na bana tozala qui positif tozala qui testé positif tozwa qui virus wana et que comme na ngamo qu'on a bana nga ce qui vraiment fallait na kota hôpital en tout cas ça allait être grave parce que je n'ai personne pour s'occuper des enfants peut-être que Dieu m'a fait grâce à cause des enfants peut-être qu'on a ma raison mon soussouye mon koyebi ça on ne saura jamais. Le virus, bon, et ça fait un peu longue histoire, mais disons que personnellement, je pense que Ibandaki, na janvier, na hôpital Rudolf Stiftung. Binotu, bata Autriche, bah, le premier cas de coronavirus, et Zalaki Penza, na Vienne, et Zalaki na hôpital Wana, il y a Rudolf Stiftung, avocat Moko Azwa Kiango, etc. Et c'est au moment où mon père était donc à l'hôpital, dans la salle qui infarctus nae, bah mema qui kuna, et je pense que dans le service où il était, service de cardiologie, aux soins intensifs cardiaques, juste en face de ce service, il y avait un autre service, et ce service était fermé, enfin était isolé parce qu'il y avait écrit sur la porte, soi-disant, un cas de grippe, parce qu'à l'époque, bah, il m'a quitté, bah, l'oba qui grippe. Mais moi, je sais que c'était en fait déjà le coronavirus et que probablement, on s'est infecté là-bas. Mais Dieu a fait grâce parce que mon père a biki si père manga d'abord. Et biso, après, Tokendaki, na février, Tokendaki, Mulhouse, na France, nga na bana, parce que l'église na biso ezakuna, l'église la porte ouverte. Yangwana to participa qui na jeûne et prière wana. Et donc, il s'est avéré que, bah, jeûne et prière, wana, après ça, bah, l'obi kekuna, bah, ka, izalaki, moi, mingi. Et c'est à la suite de ça, tant qu'on a zonga qui vienne, la zonga qui vienne vers le 27 février, na femme dit même 3 jours et pas mère, manga. Et puis, le 2 mars, c'est là où, bon, le home où mon père était, bah, bengi si biso pour que père a zokoufa. Yangona bon na Kendaki, mère père Kendaki na Boutou na mon na père a Koufaki le 3 mars, wanande siko yo to fandi bisounyo surtout na famille parce que bah ekota la mère na katandako et na pourquoi le 3 mars au soir, c'est là que j'ai appris makamo ya coronavirus na Mulhouse et c'est là que nga moko na benaki numéro wana le 14 50 bino boyebi na Autriche que soko na
aux ans la suspicion, il faut bien à 14h50. Bah, y'a côté Tébisso, na Boutou, vers bah 3h30 du matin. Et ce n'est que le vendredi 6 mars que t'as vu qui résultat. Et qu'effectivement, bah, résultat, ils ont l'acquis positif, que Bissot, ils ont l'acquis coupé là. Oui. Donc, voilà, en gros. Moi, je peux poser une question. Mm-hmm. Bah, symptôme, Nina Liboso, aux oies qui, aux 60 ans qui déjà n'a pas premier réflexe, il y a COVID-19. Bon. Au moins, une chose est importante de savoir, dans le virus, Oyo, qu'il n'y a pas de, comme, Liboso, Bazala qui copie ça, règle, mm-hmm. enfin, Bazala qui copie ça, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on a tel ou tel symptôme, c'est qu'on a coronavirus. Non. Mm-hmm. Virus, Oyo, et qu'on s'est manifesté chez chacun d'une manière différente. Bah, symptôme, ça, est belé. Naï, bah, symptôme, on a zoa qui, au moins, Liboso, sans le savoir, n'a pas quitté, parce que dans le mois de février, dans le mois de janvier, est-ce qu'il y a un coup de n'a qu'à moi, n'a, il faut se sentir bien, c'est-à-dire qu'on se sentir, naturellement, grippe, aux en a faiblesse, moi, j'avais un peu la comme une bronchite, j'avais mal, comment dirais-je, à la trachée, à un moment donné, j'arrivais plus à parler, n'a pas la fièvre, n'a pas la fatigue, et ça, bah, symptôme, n'a pas la vie dans mon liboso, et qui me faisait penser que non, n'a pas la grippe, mon coboyé, bon, je pouvais pas penser à ça. Si quoi, tant qu'on zongi, le cola, si quoi, bah, maladie, on a ça qui peut sentir, c'était un peu comme des up and down. C'est-à-dire, naza moi bien, après trois jours, naza l'issue choumabé, après, etc. Tant qu'on a kenda qui me lose, pendant toute le temps du jeûne et prière, j'avais très bien. Nabika qui, c'est comme si j'avais aucun symptôme. Dès que jeûne et prière est si là qui, bah, symptôme est zonga qui, et zonga qui l'issue sous, si quoi, netti moi, grippe, vraiment, ma casse, c'est-à-dire, ma fièvre, et ma taquille manquée, nazo se sentir faible, courbature, nazo, le caprinzan, tout, m'obima pas, si. Et puis, élément très important que j'avais eu depuis le début, c'est que n'a perdre goût, n'a odorat. C'est-à-dire, soit nazo lia, nazo sentir sous biléité, soit qui, donc, odeur, pe nazo sentir et l'autre côté, donc, n'a perdre, penza, sens, toi, là. Maman, que donc, symptômes, n'a eu, ça qui est différent, là, où y a bana. Complètement différent. Bana, moi, un liboso, Abraham, il y a zaki na symptôme, kaka ya mouke, il y a ibandeli na katia mulous déjà, na fin, à jeûne et prière. Azo, yo kaka ka moi, mon opasi, na moi fièvre, et puis c'est tout. Azo sentir kaka ba moi symptôme à boyer, pessier, kisti, tout ça. Trois jours après, et si la ki. Moi, un mi balé, on a zo loba, na banga ki, parce que aza fragile, aza ja fragilisé, on a un problème, il y a poumon, il y a ba bronche, souvent ba asthme, il y a moi, na banga ki, ma kasi, c'est là où je vois encore la main de Dieu, parce que moi, on a azui symptôme mon côté, azui kaka tango to zongi autriche, tango la première semaine, il y a quarantaine, à un moment donné, pendant une journée, kaka, azo salamwa kousso, n'a moins fièvre et bêtier kaka une fois pendant deux trois heures azo fièvre azo matamakasi et puis après c'était fini na sambeli na tien ma boko na imposé ma boko et Dieu vraiment a fait grâce que bana penza bazo qui symptôme penza te bazo qui est loco mon côté et zala qui kaka ngai nde na zala qui kobunda pendant longtemps na zo bunda ezo kende ezo zonga ezo et puis chaque fois que ezo zonga na forme mosusu comme je dis Liboso. Et y'a qui n'a pas forme, moi, là, y'a moi, fatigue, y'a moi, nani, fièvre et tout ça. La forme, y'a forme, mi-balé, ou ezo y'a na zolo. Ozo sentir, mais t'es loco, moko, ezo kota na zolo. Ezo picoté, ezo salopasi. Et puis, ozo sentir, ezo mata, ezo a qui penza, sinus, mobima, nion, surtout, ana, mais qui vraiment sinusite, ezo a qui penza, qu'on salopasi. Après, ozo sentir, ezo kota na zoto, et kota qui n'a liboua, rein, et kota qui n'a liboumou, na salipé, diarrhée, belé. Et toi qui penses une zone mobile bas et surtout fatigue bon heure moko au pema au téwana penses vraiment à préserver là c'est pourquoi je rentre pas parce que ceux qui n'a pas maquillé peut-être n'a niveau à détresse respiratoire il fallait n'a côté hôpital donc dans ma salle grave qu'un niveau bas poumon n'a zo sentir parfois oppression parfois moi ozo sentir net ozo pe ma bienté mais ça va et où me la quitter et ça qui moi va crier net ozo ça la une heure de temps après et qui donc franchement ngai benza nazo vraiment je dis vraiment que la je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est vraiment uniquement par la grâce de Dieu que elokwana ezo zoa ngai benza ma capacité mais et où me la qui me dit pour ça il plus d'un mois
puisque là, aujourd'hui, on parle, on est le 7 avril. Aujourd'hui, depuis quelques jours, comme j'ai dit, n'a biki benza. Donc, n'a biki, n'a sentir, n'a nous sentir, nous autres, tout. Malgré que, c'est qu'elle est tikali, n'a niveau, nous autres, n'a, surtout, n'a niveau, n'a congo. Mais, le reste, n'a pas bien. Mais, ils a combat. Franchement, virus, ils a combat, parce que, ils ont un aspect, n'a peu spirituel. Ben, aspect spirituel, oui, moi, je n'ai jamais manqué. Tant que, en tout cas, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Bisso, bon, peut-être parce que tu as qui n'a pas de lit, ou tu as le début mars, en Autriche, tu as une expérience, tu as virus, tu as service sanitaire, ou situation administrative. Et l'unique loba que voilà, vous avez été testé positif, maintenant il faut la quarantaine, vous allez recevoir un béchaïte officiel et tout ça, que vous avez le droit de mater. Le côté médical est alibisoté. Bah, il me signe clairement, en tout cas, vraiment, côté médical est alio. Yo, mon côté débrouillé, naïo, obiso, on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que seulement si votre état s'empire, ce qui est à naïo, ils ont s'empiré, que voilà, aux okokate, vous appelez le 144, vous bengi, ambulance, bah, ouais, aux oyo, bah, menu, na hôpital. Pour le reste, débrouillez-vous. Franchement, les hein, donc, bah, petit, et l'eau comme mon côté, bah, et l'eau comme mon côté, bah, l'obi, kaka, yo. Donc, n'aï, y'en a l'obi, n'aï, franchement, hein, surtout, n'a biki, l'icola va traitementer, n'a zui, et l'eau comme mon côté, n'a kaka, le sambo, n'a poti, le sambo, n'a sambeli, n'a foukami, n'a sengi, penda, n'a bondelin, zambé, n'a n'aï, parce que, et pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit me conduisait. Ça, c'est un témoignage formidable, parce que, le kola n'a zaki, n'a pas qui citer. Je ne savais pas quoi prendre. Non, ce qu'on voit, anti-inflammatoire, tout ça, est aggravé. Ce qui est vrai, je témoigne de ça parce qu'à un moment donné, j'ai essayé Nurofen parce que tellement Nazala Nicolas a passé un bon mot. Alors oui, Nazala Nurofen, n'a meki Nurofen, tant qu'on a mêlé, on a senti malade, il est sous psycho, et il y a Elina qui a attaqué ma poumon. Donc, ce qu'on dit là, que si tu prends des anti-inflammatoires, Ezo dégradé, état, comme on dit, de respiratoire, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, fallait caca paracétamol. Mais un paracétamol, ça ne fait aucun effet. Ça n'a rien fait. Deux fois, ça n'a rien fait. Donc, à partir de là, la tiki n'a parce que, médicament, on tout sous, enfin, médication, on est, médecine traditionnelle, lobby, mela, congo, bololo, mela, aloe vera, bon, tu vois, c'est-à-dire que, nous, surtout, on a, nazala qui n'a en voté. Donc, je n'ai plus que Dieu. J'ai dit, Seigneur, yo, poutou, oza, médecin, nanga, okobi, kisanga, oza, mobi, kisanga, yep, sanga, nasa, la nini. Et puis, nazo, c'est là où je sentais la direction. À un moment donné, ozo, sentir l'esprit, ozo, yep, sa, ou, melamai. Melamai. Na, meli, mingi. Na, meli, mai. Déjà, na, melaka, moi, mingi, parce que j'aime l'eau et que c'est important de beaucoup boire. Mais là, franchement, je buvais au moins une ou deux bouteilles des 1,5 litre là-bas, remarque. Mon gars, na, melaka, par exemple, dans ma Na, meli, na, meli. N'a sentir toujours la voix qui me disait Mélanayo, Mélanayo, Mélanayo. Et c'est vrai que ça m'a aidé. À un moment donné, l'esprit te dit mon pépé, c'est nécessaire qu'il y ait mon pépé. Donc, nanda quoi, si tu as dit, fenêtre, ni on se trouve pour courant d'air, les cas, mon pépé, mon pépé, mon pépé. À un moment donné, la voix te dit aussi Zoa moi. Donc, bon, tout ça qui n'a droit à obimaté, mais franchement, j'avoue que la bimaki, juste n'a c'est un dako, moi, n'a c'est un dako bon, Ezali, n'a fin du caca. Nazoa moi, tu vois, nazoa moi, 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 ou bien à travers la fenêtre, nazoa moi. Donc, non, franchement, n'est vraiment, ils ont, dirigé, donc, depuis, les bandeli, tina, souka, à travers ma jeûne, à travers ma prière. Donc, ils ont vraiment conduite, quoi, par le Saint-Esprit. Moi, en tout cas, c'était ma méditation. Nadine a choisi. Maman Claude. Il faut souligner que vous avez qui ont beaucoup patienté, vous avez qui ont beaucoup de mal à souffrir. Est-ce que, vous avez qui n'a pas d'endengue nini? Toujours dans la prière, ou bien, parce qu'il y a des médicaments systémiques, parce qu'on doit aussi les savoir, parce que c'est ça que vous avez en famille. Non, franchement, il y en a deux, moi, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit, comme je n'avais personne, il faut t'imaginer que moi, mon
Donc là, il y avait personne qui peut venir me voir parce que dans la quarantaine, famille nanga, baza ba mikolo, neti mère, neti ba tante, ba ngoku tu baza qui peut la quarantaine na moment wana parce que là, on était tous ensemble, il fallait ba ngoku baza la quarantaine. Donc je n'avais personne. Donc bana siko même ce qu'il fallait que na pesa bana kisi, moi na zo ki sezate parce que moi na bima zate. Donc c'était vraiment compliqué. Kakande, on a bilo rakolia, en tout cas, vraiment, nalinga qui vraiment n'a remercié maman, mamie, vraiment, c'est ma sœur, maman, nanga vraiment, Aïda qui n'a vraiment, apesinga bilé. Donc, franchement, que Dieu la bénisse, entre parenthèses. Donc, c'est pour dire que, sincèrement, n'a pas si ban à l'autre côté. Au moins, d'abord, hein, parce que Abraham, il y a déjà si Abika qui n'a donc, il y a. Oui. Abika Kinaï. Donc, pendant ton zone d'Autriche, il n'a plus jamais eu de symptômes. Moi, Nanga Moïse, ou Asali, moi, symptômes, pendant, c'était bas symptômes, mais où m'est-ce qu'il était là, qu'il une journée. Moi, il bah, koso, nazala, il a bon de là. J'ai dit, Seigneur, je te remets, nazala, imposé, ma boko, na peau, quoi, tant au fièvrier, à un moment donné, fièvrier, j'ai dit, Seigneur, na opé ça, na rota là, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui donne tout de suite, bah, qui, si, ce qui fièvre, et ça, bien, parce que fièvre, et l'inigola, qui s'a qu'en zoto, ils ont réagi, ils ont attaqué, enfin, ils ont se défendre. Donc, la prière qui, j'ai imposé les mains, j'ai invoqué le sang de Jésus. Bon, si effectivement fièvre, il y a qui est continué, que moi, il y a qui peut-être a fait la fièvre un jour, deux jours, j'allais peut-être trouver situation mon coup bien dans vraiment nasenga par exemple notre maman mamie je sais que non pardon zoé langai bah paracétamol pour enfin pour na moi na c'est vrai que na dans la paracétamol parce que na somba qui en a na Belgique avant que je rentre j'avais acheté exprès pour les tampons c'est vrai donc bref mais ma saline grâce parce que na zani na mon besoin t'es parce que justement bah symptômes et qu'il n'a qu'une mal à mon corps donc il me l'a quitté maman Claudine parce que il fallait qu'on se colle ma boco qu'on désinfecte ma boco et qu'on colle ta masque bon ce qu'on comprend bien c'était pendant aux alas qui malade en tout cas notre trichpé aux alas qui nous prennent dans la longue on a équipé dans ma capacité si je me trompe pas mais point de vue aux animés est-ce que ça peut, ils ont aidé. Par exemple, les jeunes, autosanement, c'est quoi, au secours, ma boucle, tout le temps, il ne faut pas, aussi, bah, bah, bloc, au secours, il faut, au secours, il faut qu'on masque, respiratoire, point de vue. Oui, puis que, les Cambouana, ils allaient très important, papa Angelo. Franchement, n'a c'est pas lui, n'a zoku, misanzambe, que tout ça, n'a qu'à t'y autriche. Soko, tali, penza. Si tu fais le tour de tous les pays européens, nous sommes celui qui est le mieux. C'est-à-dire que Toza, le premier pays, au Siko et au Toza, na, na situation que virus wana, est aussi là, et calamité, au yoka qui dénue courte, après ça qui pèse, bah, directive, hein. Donc, c'est-à-dire que le fait que l'Autriche est bandaki dès le début, et ça très bien. Et il faut tout là, dans parce que, au moins, même bisotant au Tozala qui, n'a qu'à t'y andar pour confiner. Malgré que Tozala qui bisomissa tout positif, mais j'ai quand même constaté que cette maladie, ou un virus, ou un ésotambola, n'a qu'à t'y andar pour, parce que je sentais que, tant que, par exemple, n'a et nazo, n'a moi bien, aux autres, on a malamoko, moi, là, à bandit. Quand je dis qu'au banda, et ça, comme je disais, moi, signe, bah, moi, koso et tout, après, et Tikoyo, chaque fois que ngai nazala ki moi bien, bana bazala ki moi bien te. Tamo siko bana bazala ki bien ngai na bela ki do. C'est-à-dire que, ezo s'est propagé na kati andako. C'est là où on a réalisé que, en tout cas, il faut vraiment que ma mesure ou ananazo en haut très au sérieux, na bandi vraiment au sokola, nous surtout na kati andako. Donc, au désinfecter, nazo yana balajette, nazo, bah, partout, bah, prise, bah, porte, bah, nini, nazo simango, na bandi penta qu'on torchonner, il fallait vraiment qu'on nettoyer ndako, c'est-à-dire, vraiment, bah, au javel, il faut chaque fois qu'on nettoyait, surtout, bah, salle de bain, ici, qu'à, aux eaux chocolat, tout ça, dans ma toilette, n'en parlons pas. Donc, ça veut dire que, franchement, à tout moment, toujours désinfecter. Donc, n'a qu'à t'y en a pour désinfecter. Et c'est vrai que ceux qui, on faut porter masque, n'a qu'à t'y en a pour, c'est encore mieux. Parce que, bon, moi, j'avais pas de masque à l'époque, n'a qu'à ma masque était, bon. Donc, ben, la paix pétée. Et je voyais bien que c'est souvent la contamination par le poustillon, comme on dit, par les, bah, moi, gouttelettes, là, au réseau, du moins. Il y a ce que je veux dire, au solide, ouais.
C'est ça qui faisait que les eaux contaminées, parce que moi, quand on a un espace, il y a mon quai. Sauf qu'il y a un endroit à mon aîné. C'est là où c'est différent. C'est vrai que si on a un endroit, on a 4, 5 chambres, ils ont un espace, on a un grand appartement. Encore là, ça va, parce que ma pièce, c'est un aîné, aux eaux, on a que bon, si tu aères souvent, bah, moi, pour si on a un écoquille pour qu'il y ait. Mais tant qu'on a un endroit, on a un endroit à mon quai. Il y a mon quai, ma pièce, mon connaître, il chambre, on a un endroit, ils ont ça là-bas, 10 mètres carrés, ils ont mon quai. Tu vois? Dans un confinement, mon coboyé, là, ceux qui ont porté masque étaient, en tout cas, de mort, ils ont favorisé les propagations. Donc, il y a moins d'amalamon, ceux qui ont un endroit, ils ont confiné, ils ont un endroit positif. En tout cas, vraiment, je sais que c'est difficile parce que, comme papa Angelo disait, papa Jonathan disait, parfois, Bino Bofan, d'accord, est belé, n'a qu'à t'attendre. Oui, oui, il y a pièce, il y a 70 mètres carrés, il y a, au moins, on a besoin peut-être de 6, 7, 8 personnes. En tout cas, au moins, il y a qu'à Wana, et l'eau qu'on en a au conseiller, n'a qu'à Wana, c'est vraiment, il faut en tout cas porter masque obligatoire. Luca, Ata, supposons, bon, si Mikolo, il y a la chance parce que masque est allé, n'a pas supermarché, ou bien en haut, bon, ou bien au confectionner en haut. En tout cas, qu'on met pas qu'on soit à distance, bah, tout le temps qu'on désinfecte les mains, si possible, besoin mon pépé. Parce que, tous en a droit, il y a Kobima. Tous en a droit, il y a Kobima en groupe, t'es, mais ceux qui, par exemple, besoin 7, n'a qu'à t'y d'accord, bon, ça y tourne. Bon, Lobina, de 10h à 11h, Jonathan Abimi. Après, de 11h à midi, papa Angelo Abimi. De 13h à 14h, aux autres qu'on prend, moi, tournante, parce que, et ça nécessaire que, comme je dis, il faut beaucoup d'aération, il faut mon pépé. Et puis, il faut maintenir les règles. En tout cas, je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment qu'on maintienne ma hygiène ou Anna, la tabagan. Donc, en tout cas, voilà, quoi, qu'au soukola, il faut chaque jour. Il faut qu'au soukola chaque jour parce que moi, j'ai vu, bon, de toute façon, na soukola chaque jour, c'est normal, mais il y a des gens, peut-être, bah, mais ça n'a qu'au soukolaté, mais je vous dis qu'au soukola, ils ont vraiment, ils ont nécessaire parce que ça, ils ont long, vraiment mieux, surtout Anna, parce que, faut savoir que le virus Oyo, ils ont pu transmettre la bilamba. C'est-à-dire que, et l'eau qu'on peut constater qui, et moi je le confirme, c'est-à-dire que, et ce n'est pas tellement que, ils ont la surface nette, bah, métal, ou bien bah, bois, ou bien bah, plastique, mais la katia bilamba pesotika. Donc, c'est vrai que tant que vous avez belé nanda, il faut en tout cas, pour changer l'amba, mille gui, sous colango, donc voilà, parce que zotika la katia et l'amba. Maman Claudine. Ngana moni ki yoza ozwa ki grâce parce que apparemment maladie bandio a en Autriche ou ki Belgique et ou ki pe n'église. N'église c'est vrai tout sanga na tout a ramukete tout a rebellé donc maladie s'est propagée. Nakoko ça le rappelle, sozo se rappelle encore tant ozonga ki a butunga tout ça la nouvelle émission mon robe ngai na de Angelo fallait toi en Vienne tout ça nouvelle émission mais Dieu n'avait pas permis que biso to kutana. Et voilà. Tant que voilà. Peut-être que tu lobby, bon, c'est pas que tu lobby, et sa chance maintenant, mais qu'à épargner à bisouper quelque part. Pour... Mais voilà. Et sa chance, papa Angelo et Jonathan, grâce de Dieu. Oui, mais les lots, c'est pourquoi je voudrais que les Congolais basent à la conscience. Tant qu'on a réalisé, depuis tout ce temps, est-ce que tu imagines le nombre de personnes que j'ai contaminées? Ceux qui n'ont pas de film, hein. La Belgique, même ceux qui, tous les gens en France, en Autriche, j'ai pris le train, aller-retour. Donc, tu imagines le nombre de personnes sans le savoir que Nain a contaminé. Donc, c'est pourquoi, Mandeko, il faut que les mesures que le gouvernement autrichien, il faut que tu réalises que responsabilité, mais Ezali, parce que Yopoza est responsable des autres. Tu peux, tu vois, pour contaminer Moutou sans le savoir, à tout Yop, peut-être au Biki, parce que santé, Nayo, ils a bien, et gloire à Dieu, ou bien que Dieu t'a fait grâce. Mais mon Nina, aux eaux contaminées, il y a peut-être que tout santé, Nayo, ils a bien, et si tu as contaminé quelqu'un, peut-être que cette personne-là, que tu as couru, peut-être qu'on couffa. Donc, aux eaux, on a
il faut te réaliser que l'eau qu'on est grave virus soyo et ça lui s'est quitté et ça il faut pas mater et même ce que ça spirituel et ça il il faut prendre conscience. Donc franchement je voudrais nazo bon de la bino penza au besoin d'un malgré que l'Autriche virus s'est déclenché makasi trop tôt dingue tout le monde en France en Espagne en Italie ou bien la Belgique s'il vous plaît besoin au sérieux qu'on soit que colobate que non on a ils ont concerné n'importe ou bien on a nasa gel là de toute façon non soit bas mesure on a au sérieux naïe comment on a oui moi je prie cette semaine beaucoup pourquoi parce que depuis que courte ça salit bas discours naïe lundi donc lobby il y a moi c'est quoi nazo mon a quartier n'anga déjà il a moni changement bas tu vas commis belé bas tu vas commis kobima ozo mon a bas tu vas obima ozo mon etc bas monsieur soubare baso respecter soumibé côté donc je te dis c'est grave parce que nan comment dire nan dans une crise, s'il était dans notre et ça juste, nous avons ça, ils sont grâce, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il peut y avoir maintenant, oui, mais là, qu'on a ce bang, c'est que deuxième velle, qu'on a le bras de Svait et velle, oh, et qu'on y a ce qu'on y a, il m'a pour les cas. Donc, il y a moins vraiment, attends même, écoute, ça a plus une sorte d'espoir, s'il vous plaît. Non, s'il était tout respecter le royaume, pardon. Franchement, sauf aux autres bima na masque, respecter distance, c'est normal, il faut bima, c'est normal, le temps, il fait très quito comme moi, il s'allie, mais s'il te plaît, bima na yo, qu'il n'est qu'au tambo là, mais la distance, au bandaté, comme je vois avec les gens qui se tiennent comme ça, bah, moussous, soit au tambo là, comme ça, non, distance. Et puis, si possible, yomoko, éviter qu'au tamboula, on a 3-4 personnes. Tamboula, yomoko, jumo, pépé. Et voilà, quoi. Donc, franchement, pardon, tout prendre conscience, quoi, naïo, pour yo. Le fait qu'il y a un pour yo, kayo, vraiment, ça fait pas vraiment peur, mais bon, nous avons salué grâce. Mais s'il faut parler, les lots, n'a pas de coup, en Afrique. Parce que, en voyant, l'information, parce que, dans les médias, Mingi, le virus, c'est aussi en Afrique. Vu, en pleurant, on est en Europe. Le, virus, on a, est comme en Afrique, et que le vaccin, on va tester, on va tester, en Afrique. Point de vue, n'ayant. Bon, au moins, il y a, j'ai entendu tout ce qui se passe un peu, bon, depuis qu'il a mis sur les réseaux, Nazo au cas droite à gauche, surtout, la polémique qu'on a avec, Papa Mouyembe, tout ça, Nayo Kiangome. Sincèrement, là, franchement, tellement, j'aimerais que les gens réalisent ampleur et puis gravité, il y a situation, n'a sens aussi spirituel. Au lieu de s'attarder sur ces choses-là, je vois des gens qui sont partis dans des polémiques, dans des discussions, bah, Moussoukoutou, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. C'est pour ça aussi, il faut faire très attention, fake news, elles ont circulé trop. Et au lieu de se focaliser sur Jésus-Christ, c'est ça le message, on se focalise sur des bouseaux bas. Donc, moi, j'aimerais vraiment conscientiser les gens, leur dire, revenez à l'essentiel. Maintenant, ce qui se passe par rapport à Namboka, je suis, là, nous sommes tous d'accord. Je crois qu'il y a personne qui pourra soutenir le fait que non, t'as utilisé noir comme des cobayes, que voilà, t'as utilisé congolais comme voilà qu'il faut tester vaccin ou bien recherche de vaccin. Non, c'est évident. Et les gens qui tiennent des discours comme ça, en tout cas, sont des gens à condamner. Ça, je suis la première à le dire. J'ai vu un débat sur LCI, je crois, ou bien sur la chaîne là, de Cyril Hanouna, sur des gens qui discutaient justement de ça. J'étais choquée. Là, qui choquait. Choqué par rapport à l'arrogance de ces Mindele qui se disaient là, qui parlaient de ça. Ça, c'est à condamner. Mais ne nous perdons pas là-dedans non plus. C'est-à-dire, franchement, oui, bien, l'Afrique, c'est dans les mains de Dieu. Moi, franchement, c'est ma prière. Il y a des hommes de Dieu, je vous assure, qui prient sérieusement. Mais quand je dis sérieusement, ils allient sérieusement pour que, justement, Dieu fasse grâce à l'Afrique. Et je crois, moi, c'est ma foi, c'est ma conviction. Je crois que Dieu va faire grâce. Parce que là-bas, toyebi que ceux qui corona na n'engibiso toyebi corona koto yo, ceux qui osent se répandre boyé na Afrique et puis bien en Mboka. En tout cas, toyebi que cause à la coûte grave, les avements et catombe. Donc, si ça se manifeste pas puissamment, kuna na RDC. C'est simple, on peut simplement dire rendons grâce à Dieu. Que ça soit parce que bah tout va l'oublier ou non, mutumui doit en avoir gêne, mususu doit en avoir anticor, y a n'engue mususu y a bamidele. Que ça soit parce que bah tout va soit kakongo bololo, que ça soit ce qui je n'en sais rien, mais tout ça gloire à Dieu. Y a on a l'oublier.
Rendons, parce qu'au-dessus de tout ça, c'est malgré tout la main de Dieu. Prions pour que franchement, virus soyo et se répandre et ça la paix, bah, dégâts, ténénézo, ça va dégâts, awa. Prions vraiment que ça soit l'occasion aussi que l'église, comme je dis, se repente et que le peuple de Dieu vraiment se repente. Parce que la Bible, elle oublie bien dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai, je le délivrerai. Donc, yangwana, peuple y a moka, bah congolais, il faut vraiment basambela ya solo. Et heureusement au Congo il y a beaucoup de bouseaux, bah, mais il y a aussi des vrais. Donc il y a aussi des vraies églises, il y a aussi des véritables serviteurs de Dieu. Il y a un peuple, il y a un peuple qui prie vraiment sérieusement. Il y a des gens qui prient, il y a beaucoup de gens qui c'est du n'importe quoi, mais beaucoup peu basambela ka. Donc il y a moana, franchement il faut penser que je crois que c'est ça, la grâce de Dieu. Ceux qui vraiment la prie est épargnée, c'est ma prière vraiment. Ils ont vraiment prié maman. C'est Claudine, la grâce uniquement par la grâce de Dieu. Maman Claudine, photo sambela, photo prier, mais est-ce que photo ça fait confiance là-bas, hôpital, la biso? Bon, tu sais papa, la situation sanitaire n'a mboka, yo moko bien moko tout mieux que naï. Donc faire confiance ça veut dire quoi? Je te dis, on est dans une situation où franchement, moi je ferais confiance à personne. Okay. Oui, pour faire confiance. Tu fais confiance à ton Dieu et tu utilises comme on dit la sagesse, c'est-à-dire les précautions. Et l'autre tozo lo bana mboka, c'est la même chose, on dit aussi au pays, lavez-vous les mains, ayez une bonne hygiène, ne vous approchez pas trop près, gardez la distance de 1 mètre, fanda penanda ko. On dit les mêmes choses là. Ça, ce sont le bon sens. Donc, bah, principe, on a taïza compliqué, taïza moi pas, c'est parce que toibidenge ba, on sait comment en Afrique on vit, c'est pas la même manière de vivre qu'ici en Europe. Mais il faut se faire violence parce que c'est quand même pour se protéger, pour se préserver. Mais maintenant, non, tu sais, dans les hôpitaux, moi, j'avais le témoignage d'un frère qui est un ami que j'aime beaucoup, qui écrit, qui a une très belle plume, hein. C'est un intellectuel, qui a eu l'expérience de passer dans un hôpital à Kinshasa, là, parce que justement, suspicion, voilà, la compagnie qu'on a appelé virus, on a passé, bah, symptômes, mais il nous racontait ça, c'était terrible. On avait en direct tous les jours, il nous donnait son témoignage, mais c'est là où tu vois la pagaille, le désordre, c'est-à-dire les choses que Bissot, déjà, il n'y a rien de nouveau. Et pourquoi nous savons, c'est que si justement, d'un seul coup, on nous envoie un témoignage de Kinshasa, maintenant il y a une organisation telle, tout est très bien organisé, tout fonctionne à merveille. C'est là où moi je serais étonné. Et ça sera vraiment un témoignage, vraiment une gloire à Dieu. Mais pour l'instant, si tu veux, ce virus-là, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est uniquement la grâce de Dieu parce que le pays n'est pas prêt, le pays n'est pas préparé, les infrastructures ne sont pas là. Donc, franchement, si tu es à Kin, ou si tu es à Lumumbashi, ou si tu es à Kikwit, ou bien je sais où, en tout cas, prends simplement des mesures de précaution qu'on a tous donné, mets ces mesures de précaution en application. Ça va vraiment, ça ne peut pas te faire de mal, bien au contraire. Donc, voilà quoi. Et le reste, tu t'en remets à Dieu parce que, bah, choix, mon sou, c'est zaté. Et ça ne sert à rien même de critiquer, tu sais. J'entends tous ces débats, bah, tout bazo fing, appelle le président, bah, mon sou, tout bazo fing, à telle personne, bah, mon sou, ça ne sert à rien, écoute, ça ne changera rien. Est-ce qu'il faut changer la situation, est-ce que parce qu'on finit le ministre de la Santé, ou bien qu'on finit le président de la République, la situation dans l'hôpital change? Non, la situation ne change pas. Donc, il y a moi là, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout réaliser que le Congo, encore plus, comme je dis, l'Afrique, encore plus que Napoto, nous a vraiment dépendant, il y a grâce à Dieu. Mais donc, les choses sont dans les mains de Dieu. Vous comprenez? Ça, il faut réaliser que ce qui nous a été oublié. Claudine, pensez-vous que, pour tous les gens qui ont manqué, tous les fans de Awa, bien qu'on en vienne, on a été né, vous avez vu la situation, on a eu un bison à l'Inde, tous les vraiment en confinement. Mais quand nous avons qui déjà depuis l'annonce, il y a président, pardon, il y a chancelier à Autriche, déjà à partir de 14, tout le monde a déjà moins d'activités, je crois, fin avril, début juin, moi, relance les activités qu'il y a. Ils ont banni ça, ou bien ils ont tout ma casse pour la décision, qui va respecter, à côté, tout le monde, tout ça, chute, tout ça, c'est une rechute. La pour n'engaye et n'engaye pas le chancelier n'engaye courte à l'objet
Et la semaine critique, ils arrivent chikoyo. En fait, le moment critique, c'est cette semaine-ci, na moi, semaine prochaine. Donc, Donc, mi-avril, en fait. Mi-avril, disons. voilà, 10 mi-avril, c'est le point qui est très critique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, franchement, personnellement, je t'avoue, Angelo, j'ai regretté même que Kurt a sali discours ou a sali lundi. Parce que avec des gens qui ne sont pas matures, c'est trop tôt. Et je le vois, puisque je t'ai dit, je le vois dans mon quartier. On a regretté que Kurt a lobby, bon, parce que tellement qu'il est, entre guillemets, alias à la honnête, c'est bien, ça l'honore, ça prouve qu'au moins ce qu'il dit, c'est vrai, ça l'honore, mais moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas donné un tel message d'espoir aussitôt, parce que le peuple n'est pas mûr, justement, le peuple n'est pas encore mûr, je te dis que là, malgré que le chancelier ait insisté, il a dit, s'il vous plaît, Pâques, vous devez oublier, vous pourrez pas fêter Pâques comme on fête les années précédentes, vous pourrez pas être en famille, il faut, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on voit déjà un espoir, mais nous devons encore maintenir toutes les mesures et tout, eh bien les gens se relâchent, tu vois, et c'est ça, et l'autre, ils ont un petit sur la course d'endurance, il te reste plus que 5 km pour en arriver, yo, quand ici déjà que au commis, au banni qu'on s'est relâché, au banni qu'on s'est supporté, et puis finalement, toi qui étais en tête, toi qui étais premier dans la course, au commis dernier, parce que justement, les 5 derniers kilomètres, c'est ça le plus important. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, il faut réaliser que Likamoyo, il faut te prendre en considération. Même si tu as la conviction, même si on pose au Kanisa, non, c'est bon. C'est vrai que, bon, moi, je peux vous dire, on a prié. Les églises se sont réunies pendant 3 jours en jeûne et prière. Il y a eu un appel mondial. On a, bon, j'ai participé comme d'autres ont participé. Donc, c'est vrai que Dieu a délivré. Moi, je le sens spirituellement, je sens déjà l'atmosphère dégagée. Donc, ce virus, déjà, il est dégagé, il est parti, c'est terminé. Vous comprenez. Mais malgré tout, il faut rester raisonnable, hein, même si vous avez la conviction virus est KI. Malgré tout, il faut réussir, il n'existait plus du tout. Donc, il est toujours là, il peut toujours atteindre. On est en étimant Nyoka, et en étimant Moutou ya Nyoka. Au fil en haut, c'est vrai, mais dans nos boumis, était Nyoka, toujours, à coquille, toujours, dans ce qu'on salikebate, à coquille, qu'on l'amouka, tu vois, qu'on soyons les sous-sous. Mais maman, Donc, Kouni, et dans on peut ça discours la voilà, au lancer Toana. que les chanceliers n'avaient pas pensé à ça ou bien à l'ingakindo à. Et puis parce que dans Koyokayo, si jamais que les mesures ne sont pas respectées, ça sous risque et ma c'est parce que beaucoup m'ont déjà pris à Okangeloko, à les boutiques bongo. Et pourtant, même au départ, tant beaucoup qui pris à Okanga, nombre qui est bélété. Mais si que nombre Moi, je me est rappelle, tourné quand sur eux. j'étais oui, que je suis allé premier pays, je crois, en Europe, au tout, parmi déjà quarantaine, parce que moi, je me rappelle, le 16, déjà, un message, déjà, depuis le 16 mars, déjà. Tout bandit, quarantaine même avant, vers le 13 déjà, la semaine, Le 16 mars, c'était un vendredi, voilà, justement, c'était un vendredi, oui. on a été un des pays les premiers qui avons eu des mesures aussi strictes. Donc, c'est Voilà. vrai que c'est payant, hein, la stratégie que Kurt Sazolanda, la stratégie, en tout cas son équipe de conseillers médicaux, d'experts, est vraiment une très bonne équipe parce qu'ils se réfèrent aux travaux qui ont eu lieu en Chine, aux travaux qui ont eu lieu donc en Voilà. Corée, hein, en Corée du Sud. Donc, c'est là où les gens ont mis sur pied les meilleures mesures. Le problème, c'est que, non, nous, comme je dis, c'est cilité, donc ce n'est pas fini. C'est ça. Donc, les gens, il ne faut pas se relâcher. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont bandit qu'on s'est relâché, comme je suis en train de le voir un peu à droite, à gauche, comme il y a le risque qu'il y ait Ozonga, et puis tant qu'il y a Ozonga, et La qu'Ozonga est sous force. Soumaka. Mais non seulement ça, parce que ce n'est pas simplement le problème sanitaire, c'est le problème économique. Oui, C'est-à-dire, au moins, voilà. Bino, déjà, c'était pas facile, on a fait plus de, comme ça, 4 semaines, Mbokaizotambolaté, magasin, tout, Tébélé, Kota qui chômage, et malgré tout que, mesure, hein, le gouvernement fait tout pour prendre des mesures, mais, s'imaginez-vous que maintenant, sont qu'il y ait les sous-soumakassi, ça sera encore pire, c'est-à-dire que les magasins qui ont ouvert, ils vont devoir refermer, c'est reparti, etc., et là, on sait pas pour combien de temps, donc, il y a moins là vraiment, il faut tous à la vraiment mature. Comme je l'ai dit, bon, Kurz, sauf à Sali quand même, message à Sali, il a peut-être pensé que non, le peuple autrichien, hein, il a fait confiance et dit c'est peut-être des gens matures. Bon, mais bon, là, Sali faisait erreur. En tout cas, ça c'est Boli Musangai, parce que moi, je dis toujours, faut toujours prendre les gens pour, faut pas trop les placer trop haut. Vaut mieux que tout aux hommes, trop bas, entre guillemets, que non, voilà, Bazalara, Bazalara mature, trotté, ou bien Manuel est trotté, c'est mieux parce que ça préserve, tu vois. Je pense que
Voilà quoi, il aurait dû attendre Pâques. Enfin, moi, si j'étais lui, j'aurais dit tout ça après Pâques. Parce que franchement, je vous assure, semaine critique, et ça, semaine où il y en a, semaine prochaine, surtout semaine où il y a, donc jusqu'à Pâques, week-end de Pâques, c'est vraiment le moment critique. Apprenez, c'est là où vraiment on pourra dire que oui, effectivement, virus et KI, en tout cas, tu as vraiment la pente descendante. Donc là, c'est vrai qu'on pourra vraiment se relâcher un peu après Pâques, après la mi-avril, vers le 18, par là, avril, comme ça, bah, 15, bah, 16 avril. Donc, là, vraiment, on peut vraiment dire que voilà. Mais si quoi, là, on est encore, on est, en fait, tu vois, après Pâques, dans l'image que je donnais du marathon, après Pâques, on est à l'arrivée, pour vous comprendre. Voilà. Mais avant Pâques, on est encore dans la situation des 5 km avant l'arrivée. OK. Pour vous comprendre. Donc, il y a un moment là, pour se relâcher, penza, Maman Claudine, pour tous à la vie anormale, selon yo, nos problèmes, vous pensez vraiment que ça nous reste combien de temps? Ou bien, discipline, la biso peut-être un démon de vous sauver, biso, tous à la. oui, causons la vie normale, bon, c'est ça compliqué parce que si je te parle spirituellement, je peux te dire, bon, Jonathan, c'est bon, le problème est réglé. Nous avons aussi à délivrer sur ce qui est vrai. Mais si je te parle humainement, concrètement, sur le plan humain, sur le plan, etc., c'est vrai que dans cet aspect du coronavirus, il n'y a pas que l'aspect de la maladie en elle-même, il y a l'aspect, comme j'ai dit, le côté Spirituel. spirituel, c'est le côté de l'angoisse, de la peur, de tout ça, tout ce que ça a développé. C'est ça qui a aussi ébomipé bateau et bélé, parce qu'on a vraiment créé des psychoses chez les gens, tout ça, le diable, c'est ça qu'il voulait faire, hein, il détruit des gens par les pensées, par tout ça. Donc, pour qu'on revienne à la normale, tu vois, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis même peut-être, moi, c'est possible même que Rozon ne l'a jamais vu, oh vraiment, c'est-à-dire qu'il y aura, comme on dit, un avant et un après. Moi, j'espère qu'effectivement le pays va reprendre, dans le sens que on va retrouver une vie normale. Mais si tu écoutes ce que disent les gens, enfin ce que dit le chancelier, les ministres, tout ça, oui, ils t'expliquent bien que bon, il faut t'armer de patience, parce que net, par exemple, Makamwa Kotamola, franchement, tu sais que tel qu'on est parti, ce n'est pas demain que tu pourras à nouveau voyager. C'est Oh, ça. okay, oh, tu veux voir ton frère qui est en Allemagne ou en France, Netina, dans la famille, dans la Paris, Église, dans la France. Donc, pour Nathan Moulalisoussou, ça va prendre beaucoup de temps. Moi qui me disais, c'est bon, peut-être que tu autant, mais c'est au début que même les gens disent à l'été, il y en a même qui disent, ça va être encore jusqu'à l'automne. Donc, en fait, ça va prendre vraiment du temps, parce que c'est clair que les autorités politiques, comme elles sont quand même dans la peur, Balingui base à la sûre. Premièrement, comment dirais-je, danger est assouté. Parce que le problème, c'est pas simplement l'Autriche. Au niveau de l'Autriche, au copie, faut gérer le problème. Comme on l'a fait, ok, le virus est assouté, Zotambo l'a assouté, circulé, assouté. Mais le problème, c'est que dès que tu ouvres les frontières, tu amènes. Maintenant, imagine qu'il y en a Allemagne ou bien la Belgique, par exemple, va régler problème bien tes virus et circuler nano. Moyen au côté sabatozaté, parce que si tu laisses entrer des gens qui viennent de l'Allemagne ou de la Belgique, etc. Et on revient au point de départ, parce que le virus les souffle. Donc, il faut vraiment, avec ça, il faut se mettre dans la tête que cette situation. Et Zouakibissounio, surtout à l'improviste, comme on dit, personne, quelque part, entre guillemets, ne pouvait s'imaginer ça comme ça, même si la Bible, pourtant, nous avait avertis. Eh bien, il faut comprendre que, il n'y aura plus jamais une vie avant. C'est-à-dire qu'on va essayer de refaire les choses normalement, mais ça reste. Et dans moi c'était quel, mon roboué, quand tu l'arrivée là. Donc, si je comprends aussi très bien, c'est que il faut te apprendre ce que très bien vous priez bien à Bandakou parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on se réunit encore dans l'église, dans Bissau d'habitude. Voilà. En tout cas, c'est pourquoi, Yannazoloba, Dieu permet ça. Vous savez, Dieu agit de beaucoup de manières. Dieu peut avoir, comme on dit, il a ôté, comme on dit, la dangerosité du virus, dans le sens que voilà, il nous a délivrés. Mais il peut maintenant se servir des séquelles qu'il y a, par exemple, au niveau des autorités. Hein, au niveau des autorités, elles ont gardé des séquelles de la peur et tout ça parce que justement, elles veulent être sûres que tout soit sûr. Dieu peut se servir de ça, laisser ça pour justement que le peuple prenne bien le temps, comme tu dis, de prier à la maison. Yako Fandanandako, Yako Sambela, Yako Yebaye. Donc, c'est pour donner l'occasion aux gens de vraiment revenir à Christ. Donc, c'est vrai
que l'idée de se rassembler tous ensemble, c'est important parce que la communion fraternelle est tellement nécessaire. Moi, franchement, c'est ma prière. Parce qu'en même temps, ça fait le jeu du diable. Tant qu'on est comme ça, chacun chez soi, qu'on peut pas se réunir, qu'on peut pas faire un culte ensemble, ça fait le jeu du diable. Parce que le net, les réseaux sociaux, ça remplace jamais, jamais, jamais une relation physique. Et on le sait d'ailleurs. Tu vois, là, si on est sur Facebook, tu as plein d'amis virtuels, mais un ami virtuel ne remplacera jamais un véritable ami réel. De la même manière, un culte virtuel ne remplacera jamais un culte réel. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Il faut que Bissoba chrétien plutôt sambe la makasi pour justement que et permettre Bissoto se réunir les chouchous, tout se retrouver ensemble. Et en attendant, il faut occuper l'espace. Donc il faut parler. C'est pour ça qu'il faut parler deux fois plus de la parole de Dieu. Il faut inonder les réseaux sociaux de Dieu, de la parole de Dieu, d'appeler les gens à revenir à Christ. Il faut bombarder pour pas justement laisser l'espace à Satan et à d'autres messages. Donc c'est pourquoi c'est important. Et prier pour qu'on puisse à nouveau faire un culte tous ensemble. Maman Pauline, il y a beaucoup de gens aujourd'hui entre guillemets, c'est pélé parce que proche va passer pour vider parce que ma bonne sous une église c'était chaque dimanche comme si beaucoup au team d'abord ils vont voir ils ont tout ça peut sauter tout ça là tout le monde arbitre los aux hommes on a néni ni ceux qui suivent ni votre ballo que proche va passer aussi là parce que ma bonne ouais dimanche il y a kabou il y a direct il y a réel ils ont moi Victor ils ont moi différents points de vue nayo l'église c'est civil l'église c'est quand même il va foutre la mort bande de Oui, personnellement, je n'assais pas lui, entre guillemets. Bon, je vais m'expliquer, c'est un peu provocateur ce que je dis. Mais n'assais pas lui, pourquoi? Parce que, justement, je suis en train de te dire que Dieu, il a permis tout ça pour remettre, je disais ça dans mon direct, je viens de faire, j'ai un petit peu ça la direct là-dessus, sur ma page. Zambe, Azo utilisait le temps, voilà, pour remettre les choses en ordre. C'est-à-dire remettre les fondations, les bonnes fondations. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, je crois. Partie B. Oui. C'est-à-dire, Eleni Kolobanini, tu vois, toi-même, tu sais, dans nos églises, surtout dans l'église d'Amsova, Congolais, etc., on a beaucoup, comment dirais-je, on a abusé de beaucoup de choses. Au moins, la dîme, les offrandes, c'est Esaï Lokumabete. Bon, l'histoire de la dîme, on pourrait discuter, parce que tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te dire la dîme, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, et ça m'a comme un Nouveau Testament, etc., etc. D'autres, ils vont venir te prouver par A plus B. N'a une akotara na débat en athée. Par rapport à ça, je dis toujours aux gens, écoutez, c'est avec votre Dieu. C'est avec votre Dieu. Yomoko Samela, en âme et conscience, dans un sens, que l'Esprit de Dieu te convainc de donner une dîme, pèse sa dîme. Moi, je comprends. Sous a convaincu, il a repris sa dîme, c'est très bien aussi. Donc, par rapport à la dîme, c'est autre chose. L'offrande, c'est ça, comme mon sous-sous. L'offrande, c'est dans le Nouveau Testament. L'offrande, c'est quelque chose. Tout chrétien, on doit vivre comme ça. C'est un état d'esprit. La Bible, si tu regardes tout le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ne parle que du prochain. En fait, c'est tout tourne autour de ça. C'est de donner à son prochain, d'aider son prochain, etc., etc. L'offrande, c'est quelque chose, c'est une manière de manifester ta reconnaissance. C'est une manière, donc, et ça vraiment fondamental. C'est-à-dire, tout chrétien né de nouveau, sauf à saliba geste d'offrande était, en tout cas, il a un problème. Il doit revoir ses fondements. Donc, en tant que chrétien, tu oses occuper ça quelque chose. Mais, on a aussi dénaturé ses enseignements. On a aussi fait croire aux gens que ce qu'on peut si boyété, ou bien si tu donnes pas autant, si tu donnes pas ça, tu es condamné, Dieu t'aime pas. Non, l'offrande, c'est aussi quelque chose de volontaire en fonction de ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Il y a des gens, on peut sauver 2 euros, ou ça on peut sauver 20 euros, ou ça on peut sauver 100 euros. Gloire à Dieu. Et si aujourd'hui, parce qu'il y a eu tellement d'escrocs, il y a eu des gens qui ont bâti leur fortune sur les bandimi. Il y a des gens qui ont bâti leur vie sur les bandimi. Ce qu'on appelle tous ces pasteurs-là qui se sont enrichis. Donc, il y a un ensemble, si qu'il y a Camille Robinet, Alobi et Siri Bandeko, c'est fini. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi prendre conscience que, il y a des églises, si tu veux, qui se réunissent dans un local,
et que ce local-là, il faut quand même, il y a ma fraise à lit, hein, si qu'à ton il faut foutre à loyer, il faut foutre à électricité, il faut foutre à boué-boué. Donc, c'est pour ça que là, il faut, tu vois, si on avait des chrétiens matures, c'est ça que je dis, si l'Église avait engendré des disciples, et si l'Église avait engendré des chrétiens matures, je crois que tout le monde allait avoir conscience. Moi, par exemple, je me suis, si j'étais dans une église locale, je prends conscience, je dis, hey, il y a mon église, si je n'aide pas, si je contribue pas, l'église, on pourra plus payer le loyer, etc., etc. Donc, tu vas prendre conscience qu'il faut faire sa part, Mayo. Mais comme on n'a pas engendré des chrétiens comme ça, on a engendré des fanatiques, on a engendré des gens, comme je te dis, qui enrichissent l'homme en pensant que s'ils donnent 1000 euros au pasteur, nous allons bénir. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est là aujourd'hui où les vraies églises, les véritables serviteurs de Dieu vont devoir bâtir maintenant sur les bonnes fondations, vont devoir enseigner leur, je veux dire, leurs fidèles, etc. Et que les chrétiens, les gens qui sont les membres de ces assemblées, doivent prendre conscience que l'assemblée, il faut des moyens, je dois participer, je dois contribuer. Et à ce moment-là, je pense que si tu es pasteur ou si, etc., tu devrais, quand tu fais un appel, tu vas plus faire un appel pour dire, oh, donne-moi, donne, je sais pas quoi, moi, paye 100 à 100 euros, tu vas voir, Dieu va te bénir. Tu viens simplement, dans toute humilité, tu dis, écoutez, je vous parle aujourd'hui à vous, mes fidèles. Voilà, vous voyez, on est à Lins, on est, je sais pas, telle rue, vous voyez telle salle, ça coûte autant. Ça, par mois, je dois payer le loyer, ça coûte comme ça. La facture des frais. Tu oses présenter les faits. Et tu appelles aux gens, tu dis, vous voyez, moi tout seul, je peux rien faire. Mais si nous tous ensemble, vous m'aidez, on va y arriver. Donc, c'est-à-dire que, oh, qu'on m'appelle transparent dans la gestion, tu commences à être transparent. Il y a des églises qui l'ont commencé à le faire. Il y a des églises qui, tous les dimanches, ou bien une fois par mois, ils te projettent sur un PowerPoint l'état de les finances de l'église pour dire, voilà, l'église, il y a ceci, il y a eu telle rentrée, avec cet argent, on a fait ça, on a fait ci. À ce moment-là, il n'y a plus de soucis. Mais les gens qui se sont enrichis, les gens qui se sont fait l'argent, en tout cas, Nzambe akangi robinet. Et je dis merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est dans ce sens-là que je disais, dans ces pays, que tous ces gens-là, ils vont devoir maintenant trouver un autre moyen de s'enrichir. Donc, maman, pour que je comprenne bien, pandémie, oui, vraiment, c'est comme si Dieu a frappé, a averti, bah, peuple n'a a averti, bah, n'a pas danger, belé. Parce que sur le point où le bi, ce que t'as dit, ben, bah, belé a vu, comme n'a les lots, c'est comme si Dieu a averti, puis sur les lots, tout ça, là. Parce qu'on s'est dit souvent, exemple, oh, bah, nous sommes à Zaramon, à dimanche, à qui l'église, t'es, n'a rien à tenter, mais maintenant, là, on est confiné, l'église des athées. Donc, il prend son temps, il y a pour faire un andar où, si on a un couple, Fanisa moi si na ba na bofongo de bossa bossa mbeli o tey o partager verset biblique pour ça li examen nango et puis na ba spé belé nta ba spé biso toke ba to ba ni to parce que la propreté aussi dans la Bible et aussi mentionné parce que beaucoup de gens ba tant la Bible ka ba tant la Bible ka ba goti ba ma bonza il faut bala mais la Bible aussi nous ordonne sur le plan hygiénique tout ça la propre il faut bien se laver les mains je crois qu'il m'a osé vraiment nemo lobby. Parce que moi, je me rappelle, et j'entends le bac qui n'a pas d'élite. On devait faire une émission avec vous. Mais soit qu'il y a un empêchement, soit qu'il y a moi, une fois dans le groupe qu'on a Moussa, là, j'entends été empêché au Belaki. C'était juste un message pour nous dire que voilà, maintenant, il faut, tout le monde a ceux qui, où est y tout le monde a un sens à ma bête, un sens moi aussi pour. Donc, on n'a pas. C'est pour ça, papa Angelo, il y en a Zoloba. C'est le temps. Dieu vraiment est en train de faire un dernier nettoyage avant son retour. Et ceux qui vont, il faut qu'on s'accroche. La Bible dit qu'il faut s'accrocher plus que tout au Seigneur parce que la Bible dit même que dans ces derniers temps, la séduction sera tellement grande qu'elle risque même d'atteindre les élus. Donc les élus, c'est encore, je sais pas ce qui bosse autant là, parce que les élus, c'est comme dans l'armée, il y a des positions. Les élus, c'est vraiment la garde rapprochée. Les élus, c'est comme la DSP au temps de Mobutu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que franchement, si la Bible te dit que même la garde la plus rapprochée de Jésus, donc c'est-à-dire les chrétiens les plus fermes, les plus affermis, les plus qui aiment le plus leur Dieu, ont le risque d'être séduits, c'est pour te montrer à quel point combien c'est grave. Donc il y a moi là, c'est pourquoi ce que nous avons à permettre et l'autre aux se passer, Mikolo, c'est pour que vraiment on revienne à Dieu. Et il n'y a plus d'excuses parce que pour terminer avec le sujet précédent de l'offrande, ne viens pas me dire que oh non, loko la nasa sous la monte, bafuta anga soute, nasa sous la monsalate, je peux rien donner, c'est faux.
On peut toujours donner. Il y a toujours quelque chose à donner. D'un niveau en amour, peut-être que tu pourras peut-être plus donner autant parce que voilà, si tu gagnais 1000 euros et qu'aujourd'hui tu n'as plus que 500 euros, bon, peut-être tu pourras plus donner 100 Aussi, euros, je sais maman pas. Claudine, je Mais vais préciser quelque chose. Apparemment, donner à Dieu, ça se résume toujours à l'argent. Que les appels à Bablo, sous photo, ça nous a besoin. c'est pourquoi il y en a Pense à tout Zoloba. ce temps, par exemple. Hein? Je suis en train, c'est pourquoi je suis en train de dire, parce que là on parlait des offrandes et tout ça, mais donner à Dieu, ça a beaucoup de formes. Ils en ont la façon multiple. Et franchement, comme je dis, les véritables serviteurs, les gens, les véritables chrétiens nés de nouveau, affermis dans la foi, ils se tournent vers leur Seigneur et ils s'attendent à lui. Tu vois, ils n'ont pas peur. Par exemple, si demain, imagine que moi, un pasteur, je suis responsable d'une église, d'une assemblée, tout ça, je ne vais pas avoir à craindre parce que je vais me tourner vers Dieu. Je vais dire, Seigneur, c'est pas moi qui me suis levé pour être berger de telle chose. Tu vois, ça encore, c'est pour répondre à Angelo. Il y a beaucoup de pasteurs qui se sont autoproclamés. Yo muto ozala ki moi frère nakin ou bien soki moi pokoé na poto comme malamoko pasteur. Donc beaucoup de gens ou bien des gens bah à l'outil rêve moko na butu la tombe là mon qui a fondé l'église a bandi ko banda église. C'est pas comme ça. Être berger, être responsable, c'est un appel, sérieusement. Et c'est un appel qui doit être fondé, enraciné. Quand tu regardes les actes des apôtres, même Paul, quand il a reçu l'appel, il a d'abord fallu qu'il retourne auprès des anciens de l'église, qu'on lui impose les mains. Avant qu'il commence son ministère, on lui a imposé les mains. Donc c'est pour dire que la charge d'être devenir pasteur et tout, ils s'est quitté. Et ça, il a comme côté que tu m'as au lobby pasteur. Donc, et comme il y a eu trop de ce genre de choses-là, tous ces gens-là aujourd'hui se retrouvent maintenant coincés. Mais un pasteur qui est véritablement pasteur par l'appel de Dieu, qui a été consacré pasteur, je peux t'assurer que cet homme-là, Dieu va pourvoir. C'est-à-dire que c'est là où je dis, tu dois t'en remettre à ton Dieu, de dire, Seigneur, l'église que tu m'as demandé de conduire, la salle que j'ai prise en location ou je ne sais quoi, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait pour moi. La salle est en moi parce que toi, tu m'as demandé. Maintenant, je suis face à une situation. Et là, moi, je peux te garantir, le Dieu que je sers, il va te trouver un chemin. Tous les véritables pasteurs, ceux qui ont été véritablement appelés, véritablement élus, véritablement consacrés, ces gens-là, Dieu est en train de les aider, de s'en charger. Ils ne seront pas dans l'opprobre. Mais tous les faux pasteurs, tous ceux qui sont autoproclamés, tous ceux qui se sont dit des amoines zéla yakosa la vie, etc. Ceux-là aujourd'hui, ils vont, comme on dit, bah, sila. Donc, yangwana, c'est pourquoi papa Jonathan, même par rapport à Makamozo Loba. Couper ça, comme je dis, donner à Dieu, bon, on a parlé là de l'aspect financier, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Et ce qui intéresse Dieu, dans le plus profond, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas tout, c'est ton cœur. Dieu, il veut d'abord que tu t'attaches à lui, que tu l'aimes profondément, et il s'en fout que tu lui donnes 10, 15 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, c'est pas son problème. Problème naé, ils arrivent vraiment au thème. Et on a voulu faire croire aux gens que le Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, ça se monnaie. Que ce qu'on peut si mongoter, au posoir pe graste. Ce qu'on peut si boyeter, d'amago salate. On a trop voulu aussi manipuler les gens pour leur dire que, oh, parce que tu en as besoin, il faut qu'on paye la salle, on doit payer ceci, il faut que tu donnes, il faut que non! Au moins, tu donnes d'abord parce que tu réalises que tu fais partie d'un corps, tu fais partie d'une assemblée et que tu te dis, bon, c'est vrai, pour qu'on puisse se réunir, c'est vrai qu'il nous faut une salle, c'est vrai qu'il faut ceci. Donc, tu es membre, tu te sens appartenir à cette église locale. Donc, c'est à cause de ça, avant tout, que tu participes, entre guillemets, financièrement. Mais ce n'est pas pour obtenir une faveur. Ça, c'est un enseignement erroné. Et cet enseignement, Dieu est en train de tarir la source de ça. Yangwana, c'est pourquoi je te dis, et l'okezo sala, mikolo, nzambayebi, ce qu'il est en train de faire. Moi, je rends grâce à Dieu. Donc voilà pourquoi tu n'as pas besoin, toi, de participer à ça. Ne sois pas celui par qui le scandale arrive. Ne sois pas celui qui ajoute, qui colporte, commence à toutes les calomnies. Ah oui, pasteur untel, azamabe, asaliboye. Ah oui, église oyo, pasteur azam impudique. Non, laisse Dieu faire. Yemoko. Dieu se charge, comme on dit, on est arrivé dans ce temps où le bon grain et l'ivraie sont maintenant moissonnés et le Ensemble. grain va être jeté au feu. Maman Claudine, une question. Après cette épreuve, où il y a pandémie, où les bisounours sont toujours traversés, vous assurez certains que, bon, je peux dire, par rapport à l'expérience, que vous avez réconverti encore dans le
ou bien toujours salon peut-être pour la mascarade mouké ceux qui m'ambassillent n'ont toujours ni peut-être banzila na biso mais tu continues à bien na biso bien va monter biso quelque part tant que toujours bien à bout toujours ça la voie. Oui, papa, papa, Jonathan, j'aime beaucoup ta question Oui. parce que, oui, je vais te dire ça, je vais lire là le passage parce que c'est la réponse à ta question. Moi, pour te dire personnellement, ma prière, c'est évidemment Oui, que oui. bateau est ma prière parce que, en fait, c'est le dernier appel de Dieu. Ma c'est un peu la dernière sonnette d'alarme de Dieu, la dernière chance de vraiment revenir au Seigneur, de s'accrocher au Seigneur avant le retour et avant la fin. Et la Bible dit, etc., etc. J'aime juste ce verset, je cherche juste ce verset. C'est dans Matthieu 24, bien sûr, mais j'aime beaucoup cette phrase. Je voudrais la citer, non pas la dire de mémoire. Donc voilà. Bon, peut-être comme ça directement, là je la trouve pas. Elle arrive. Voilà. Alors là, il commence à dire au verset 38, hein, il commence à dire, parce qu'il compare justement le temps du retour avec le temps qui s'est passé du temps de Noé. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ, etc., etc. Je veux dire par là que ce qui nous arrive maintenant, c'est le dernier, comment dirais-je, le dernier clin d'œil, quoi. Parce Le qu'après dernier ça, virage. le dernier virage. Après ça, ton coquina tango, comment dire, on entre dans ces temps de la fin et ces temps de l'enlèvement. Et la Bible dit bien que malgré tout, malgré, tu vois, cette dernière chance que Dieu donne à certains, eh bien, certains, ils vont rejeter ça. Certains, ils vont continuer à se marier, enfin, à marier leurs enfants, à boire, à sortir, à faire la fête. Malheureusement, c'est vrai, Jonathan, c'est vrai que malheureusement, après ce temps, quand une fois tout ça va être passé, tu vas voir des gens, ils vont reprendre leur vie comme si de rien n'était. On continue à bouzou, et c'est malheureux. Et c'est pour ça que moi, je crie, je suis comme Jean-Baptiste dans le désert. Je dis, s'il vous plaît, dès qu'on a s'il te plaît, qu'aux ongles la vie n'a eu à calater, qu'aux ongles la maman a eu à calater, sois conscient, s'il te plaît. Ils ont occasion, ils ont main tendue. Jésus te donne encore la chance de faire partie des élus. Jésus te donne la chance d'entrer dans l'arche. C'est-à-dire que quand il va revenir, c'est l'arche qui va prendre son. Il est bien dit qu'il va prendre son épouse d'ailleurs, pas l'église, c'est l'épouse qu'il vient récupérer. Donc ça, c'est encore un autre débat, on pourra en reparler. Mais c'est Kotana arche, que tu sois. Donc ne prends pas ça à la légère. C'est pour ça que je dis vraiment, mais malgré ça, même si je pleure, je peux te pleurer ici toute la nuit pour supplier. Je sais que malgré tout, il y aura quand même des gens, malgré que je pleure, malgré que je supplie, malgré que je fais le Jean-Baptiste dans le désert, il y aura des gens qui malheureusement, voilà, seront perdus. Seront perdus, seront bakozong et la vie na bango ya kala. Mais que tu n'en fasses pas partie. C'est ça ma prière, quoi. Maman Claudine, il y a une année passée déjà, donc calamité est toujours comme un abysse en souka. Mais question mon repère dans Gakina tout n'a parce qu'ils ont créé pénalement polémique. Ils ont toujours la même nakati, le même thème, la pseudo sur la sikoyo. Ce qu'ils ont acquis entre la chloroquine ou bien les vaccins, on a préféré ni. Sans la comprendre bien. Si j'ai le choix entre le vaccin ou de prendre la chloroquine, c'est C'est ça? ça, oui. Franchement, moi je dirais, comme je t'ai dit, je dirais ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que je n'en sais rien. Au moins, chloroquine, enfin Nivakine, chloroquine, tout ça. Bon, le docteur Raoult, Asalibatet, tout ça, c'est bien. Ça marche chez certaines personnes apparemment, à Bikissimato. Tant mieux, gloire à Dieu. Tu vois, moi, c'est comme tous les gens qui donnent leur remède. Hein, je t'ai donné là, comme Odombo qui a Azomelamasubanae, si ça marche pour lui, gloire à Dieu. Mais je peux pas en faire. On est justement, nous ne sommes pas au niveau pour dire que voilà, on a un remède. On a trouvé la solution miracle. On a le vaccin, on a le remède. Non,
On est tous, tout le monde, les chercheurs, tout ça, ils sont en train de chercher, de tâtonner. Voilà pourquoi, moi, mon remède à moi, c'est Evan Dambé. Moi, j'ai été direct. Je suis allée à la source. J'ai pas cherché à pouvoir me procurer ceci ou cela. Bon, parce que je suis allée à la source. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai pas la, même si j'étais, si j'avais, j'avais pas la possibilité de toute façon. La chloroquine ou la nivaquine en Autriche, ils ont raté. On ne donne pas ça. C'est très compliqué pour, ça n'existe pas parce qu'on produit pas ça ici. Donc voilà. Donc de toute façon, si je voulais me procurer de la chloroquine, je peux pas. Si je voulais prendre des vaccins, il n'y en a pas. Je ne cherche pas. Moi, je ne veux pas être cobaye pour tester, etc. Sinon, donc moi, je n'ai que Dieu. J'ai mon Dieu, ma parole. Je dis, Seigneur. Et la Bible le dit. La Bible a dit, et si Kamayel et Amoutou et Dieu, lorsque tu es dans des situations où tu ne peux t'en remettre qu'à Dieu, Dieu va intervenir. Mouni, c'est quand tu es malade et qu'il y a des solutions, va voir le médecin, prends un médicament. Si tu as l'angine et qu'on te dit prends tel antibiotique, les obi qui s'angine, zoango, commence pas à dire non, rien à zoango parce qu'il y a une zamarobi qui s'angine. Non, Dieu n'interviendra pas non plus là-dedans. Ça, c'est la bêtise. Dieu nous demande d'être sages. Mais lorsque tu es dans des situations où il n'y a rien, tu n'as pas de remède, tu n'as pas de possibilité, c'est comme si tu es dans le désert, par exemple. Pendant le désert, on va dire, on fait la crise. Il n'y a pas de hôpital, il n'y a rien. Tu ne peux t'en remettre qu'à Dieu, dire Seigneur, il n'y a que toi. Et là, Dieu va intervenir. Donc voilà pourquoi, dans cette situation, je préfère appeler les gens, leur dire, revenez à Dieu, Bossambela, invoquez le Seigneur, parce que moi, je n'ai pas de remède à vous donner. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire que tel remède est mieux que tel autre. En tout cas, je ne me permettrai pas. Je n'ai aucune connaissance scientifique, ni aucune connaissance médicale pour vous dire que telle molécule ou bien telle chose, tel remède traditionnel, les alakamalam, ou je ne peux pas le dire. Je laisse ça à ceux qui connaissent. Moi, je ne connais qu'une chose, c'est mon Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est ma parole, c'est la prière, c'est la relation avec mon Dieu. Et là, je suis dans une situation où tout ce que je peux t'encourager, mon frère, ma sœur, si tu passes par ça, si tu es malade, si tu es touché, remets-toi au Seigneur. Appelle Dieu, invoque le Seigneur, etc. Et demande-lui qu'il te conduise. Moi, il m'a conduit. Il m'a dit, fais ceci, fais cela, avec les moyens que j'avais à mon niveau. Alors, bimelamai, bima, enfin, zoamo pépé, etc., etc. Dounaé, qui va te dire, peut-être qu'il va te dire à toi, mais là, tangawisi, na citron, je sais pas. Chacun, voilà quoi. Donc, je peux vraiment dire seulement ça. Le seul remède pour moi, le vrai, le véritable, c'est Dieu. Le reste, et ça n'a pas beaucoup et à bateau. Que Dieu bénisse, moi je prie pour les scientifiques, je prie pour les médecins, je prie pour les chercheurs qui nous trouvent quelque chose, qui n'ont pas trouvé solution, beaucoup, comme on dit, médicale. Mais voilà, moi je ne l'ai pas. Et donc je ne vais pas non plus dire aux gens, prenez ceci, prenez cela, c'est irresponsable. Si je net imakamwa Congo Bololo, moi je ne connais pas Congo Bololo, je n'ai jamais pris ça de ma vie, je connais pas, je n'ai pas grandi avec ça. J'ai entendu, il y a des gens qui te disent, oh, Bamoussous Koutou Bazoa qui Congo Bololo d'une manière inconsciente, Bamoussous Bakoufi Koutou, en prenant Congo Bololo. Donc c'est pour vous dire qu'il faut laisser ça aux gens, au bailler bien mieux. Moi je ne m'y connais pas dans tout ça. Donc si ça marche, c'est comme le témoignage là de Odombo, il dit qu'il a amené ma soubanaï. Bon, d'abord, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, ça c'est un C'est autre ça. débat. Mais tout est vrai et que c'est lui qui s'y est. Tant mieux, gloire à Dieu, vous comprenez. Qui suis-je? Qui suis-je moi? Bon, ça me semble peut-être très étrange, mais je sais qu'il y a des situations, il y a des cultures, dans certaines cultures, il y a des peuples qui boivent des urines, ça leur fait du bien aussi. Moi, j'en sais rien, vous comprenez. Hein? Donc, moi, je peux seulement dire que Nakanangai et l'autre Bikisinga, c'est uniquement la prière, la main de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, c'est ça qui m'a sauvé. Et voilà quoi, j'ai bu de l'eau chaude avec du citron un peu, parce que comme j'aime pas le thé, de temps en temps je prenais de l'eau chaude, je mettais des citrons que je coupe en rondelles. En dehors de ça, nasu et loco mokoté. Donc voilà quoi, que chacun fasse comme il peut, comme on dit, qu'il soit surtout conduit. Vous comprenez, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Maman Claudine, nazongi mukene bandeli pendalim, excusez-moi en tout cas. Ndenge toza confiné na ndako boye. Apparemment, virus ango ndenge ezo se manifester. Ceux qui batou baza en quarantaine, ezo na batan wana o bapisengi biso to respecter yango. Apparemment, virus ango ezo résister après quelques temps, yango mo ezo se dégager. Parce que yo melie lo côté qui se zo mona na te, mais toujours à la télé, toujours mona batou bazo bika. Tout le monde a solution, je vois ma
Pourquoi je te dis c'est une histoire spirituelle? C'est une histoire spirituelle et c'est quelque chose de très personnel. On dit en général, pourquoi bah, si par exemple 15 jours de quarantaine? Parce qu'en général, les scientifiques, tout le monde disait que le virus, c'est à peu près la date d'incubation, etc. Et que c'est à peu près la date de dangerosité. Moi, je pense qu'effectivement, tu peux être atteinte du virus, aux yeux virus. Il y a un temps où tu es très contagieux, hein, c'est le temps au début, etc., où tu es très, très contagieux. Et puis, il y a un temps où tu ne l'es plus. Malgré que tu es aux obés, là, tu peux continuer à avoir des symptômes, mais tu n'es plus contagieux. Donc, je pense qu'il faut être très prudent et il faut être très individuel. Il y a des gens, ils ont, par exemple, moi, je connais des gens, ils ont eu le virus, ils ont été malades pendant une semaine. T'as une semaine. Semaine, Penza Mubimba, Bazala qui est sérieusement malade. Mais après, c'était terminé. Bah, Biki Penza complètement, bah, Zoa qui sous, bah, Suite, bah, Zoa qui m'appelle, bah, Sekelte, bah, Zoa qui donc, c'est individuel en fonction de chaque personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, en Autriche, par exemple, la réglementation, c'est que sous cause du virus, tu dois être en quarantaine pendant au moins 15 jours. Et après les 15 jours, il faut que tu aies 2 jours, donc 48 heures, où que tu n'aies aucun symptôme, aucune fièvre, rien. Si pendant 48 heures, pendant 2 jours après la quarantaine, osanayo bien, osanayo clean, osa considéré comme guéri, on va plus te refaire des tests. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que moi, pendant que Nazala qui tombait là, bah, parce que moi, j'étais encore dans l'ancienne réglementation. Bah, test et belé, tout ça. Mais chaque fois, les tests, ils n'arrivaient, les tests devenaient, comme on dit, même illisibles parce qu'il y a un test, on te fait à l'oubli négatif. Le deuxième, on te fait positif. Le troisième, on ne sait plus. Il n'y a pas, eindeutig. Donc, c'est bien pour dire que le virus dépassait un certain stade, le test ne sert plus à rien. Le test, c'est bien pour tester quand tu l'as attrapé au début, parce que là, vraiment, c'est là où on voit. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, la charge virale, en tout cas, elle est toujours là, peut-être au niveau enzotonaio, mais tu n'es plus contagieux pour les autres. Mais par mesure de précaution, vaut mieux même plutôt attendre. Moi, ça a mis plus d'un mois, papa, même pas 15 jours, même pas 20 jours. Je n'ai pu sortir qu'il y a 2 jours. Tosa, le 5 avril. Et Nabanda qui Kambouana officiellement le 3 mars. Malgré que j'avais déjà le virus avant, je pense, tu vois. Donc c'est pour dire que tu vois, Soko, Talipenza, période Wana, depuis janvier, puis février, mars, et pas Nana, et Oumela qui presque 3 mois. Et je crois parce que bon, il y avait aussi un combat spirituel derrière, ça c'est un autre débat. Mais c'est pour dire que voilà, c'est différent chez chacun. Donc, quelqu'un qui a le virus, ou Azala qui a touché, en tout cas, le conseil que Naopé, ça y est, Azela. Donc, déjà, Azela. Donc, Naibandeli à se protéger, à protéger les autres, parce que là, il est très, très contagieux. Mais au bout de 15 jours, Atasukamoni bas symptôme, donc Azelati bas symptôme, et si là complètement. En tout cas, ça là au moins qu'il est pendant 2, 3 jours aux a complètement sans symptômes. À ce moment-là, oui, tu peux dire que je suis guéri, tu peux sortir dehors. En attendant, au Fandinanda. Ata, ils ont dépassé quarantaine, ils ont dépassé bah, 15 jours officiels. Là, un peu, sois un peu conscient, sois un peu responsable, comme je dis, hein, sois un peu, prends-toi, mise-toi en charge. Les mibéko, c'est d'une manière générale. Il faut bien qu'on établisse un cadre. Mais chacun est individuel. De la même manière que chacun vit les symptômes différemment, de la même manière, le processus d'évolution de la maladie, le processus de guérison est différent chez chacun. Donc, yomoko miso en charge, talana nu yomoko et talanzo tonayo, soit dans la responsable, soit qui attend même ma pessie autorisation yakobima, soit qu'on se sentir que nan obikite, fananandako. C'est tout, quoi. Je veux dire, c'est ça la responsabilité. Chacun doit être responsable, chacun doit bien tenir sa famille. Maman Claudine, c'est Voilà. par ici qu'on doit, on va terminer notre Tout à émission. fait. On va s'arrêter là. Je laisse la parole à mon frère Angelo pour Merci des beaucoup, annonces. maman Claudine. La conclusion nous a été vraiment parfaite. Donc, revenons à la source. Nous sommes bendés. Mobat et ici. Mais n'oublions pas la règle d'hygiène. Pour accompagner protection de l'amour de parce que ce que vous scolez m'a beaucoup au sein de la règle peut-être aussi, sur les règles de l'amour, ça peut aussi nous amener. Il y a taper virus ou non. Mais Dieu seul sauve, c'est Dieu seul qui garde. Merci beaucoup. Maman Claudine, vous avez dit que nous avons l'indigu, ce que vous avez besoin pour intervenir. Maman Claudine, nous avons la bienvenue. Ce que vous avez intervention pour ça, là, c'est à ce numéro et pas à Jonathan ou bien à Facebook. Bien animé, Merci on a la beaucoup. Ok, au revoir.